Seigneur, nous t'acclamons pour la délivrance. We clap you for deliverance. Nous t'acclamons pour la restauration. We clap you for restoration. Nous t'acclamons. We clap you. L'eau ouinte que nous tenons ce matin. Anointed water we are holding this morning. Va faire des dégâts irréparables dans le camp. That cannot be repaired. De ceux qui ont été impliqués. Of those that were implied. Dans ton malheur. In your misfortune. De près comme de loin. Close like far. De façon directe ou indirecte. In a direct or indirect manner. L'Éternel veut parler sur ta vie. The Lord wants to speak on your life. Ceux qui ont dit oh, toi c'est ils viendront chez toi. They will come to your house. Pour chercher ta faveur. To seek for your favor. Pour chercher ta faveur. To seek for your favor. Des choses impensables vont se passer. Things that Amen. Cannot be thought of will happen. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Et tu as ouvert mes yeux. And God opened my eyes. Et j'ai vu. And I saw. Des personnes qui n'étaient rien. People that were nothing. Mais par la prophétie de ce matin. But by the prophecy of this morning. J'ai vu leur vie rebâtie. I saw their life rebuilt. J'ai vu leur étoile briller. I saw their star shining. J'ai vu Dieu rebâtir leur vie. I saw God building back their lives. J'ai vu Dieu élever leurs enfants. I saw God lifting up their children. J'ai vu Dieu libérer leurs richesses. I saw God releasing their wealth. J'ai vu des miracles extraordinaires dans leur vie. I saw wonderful miracles in their lives. L'Éternel te restaure ce matin. The Lord restores you this morning. L'Éternel te bénit ce matin. The Lord bless you this morning. L'Éternel réécrit ton histoire ce matin. The Lord rewrites your story this morning. Si tu crois, dis amen trois fois comme le tonnerre. Say amen like thunder. Amen. Amen. Tu ne seras plus esclave. You won't be a slave. C'est fini. It is finished. Tes enfants ne seront pas esclaves. Your children will not be slaves. Le Dieu des cieux me dit de dire à quelqu'un. The God of heaven is asking me to ne t'en fais plus pour demain. Don't worry for tomorrow. Dieu aura soin de demain. God will have care of tomorrow. Ne t'en fais plus pour tes enfants. Don't worry for your children. Dieu prendra soin de tes enfants. God takes care of your children. Je te parle de la part de l'Éternel des armées. Speak from the Lord of hosts. Aucun de nos enfants ne sera esclave. None of our children will be slaves. Le futur de tes enfants the est assuré par le sang de la nouvelle alliance. Amen. Je veux voir le sorcier qui va se mettre I debout. I want to see the wizard that will stand. 7 jours. 7 days. De jugement. Of judgment. Des bâtons de sorcellerie dans ta vie, dans in ton lieu life, de travail, dans ton village, dans ta famille. 7 jours de récupération. 7 days of recovery. D'ici la semaine prochaine. For next week. Quand tu reviendras dimanche when prochain. When you come back next Sunday. Ça ne sera pas avec des miracles qu'on connaît déjà. It will not be with miracles we already know. L'Éternel arrache les bâtons de la main de tes ennemis. The Lord seizes the rods from the hands of dans your le nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Reçois ta délivrance. Receive your deliverance. Reçois ta restauration. Receive your restoration. Reçois ta restauration. Receive your restoration. Dans ton lieu de travail. In your job site. Toute personne qui a un bâton de sorcellerie. Every person that has a rod of witchcraft. Je dépouille cette personne au nom I de Jésus. Disarm that person in Jesus' name. Dis mon Père et mon Dieu. Say my Father and my God. Tout sorcier dans ma vie. Every wizard in my life. Est dépouillé. Is disarmed. Je suis libéré. I am free. Tu acclames, c'est accompli. You clap, it is accomplished. Les sorciers n'ont plus la parole. Jésus leur a arraché la parole. Jesus has seized them, the word. C'est fini. Tout animal mystique dans ton corps. Every evil animal in your body. Ou bien attaque de sorcellerie. Le sorcier qui a envoyé, the ça va subir les mêmes attaques. Go through the same attacks.
Ceux qui ont pris des objets nous appartenant those that took objects pour amener ça quelque part. To bring it somewhere. L'Éternel les juge ce matin. The Lord judged them this morning. Je cherche quelqu'un qui croit. I'm looking for someone who believes. Qu'il ne va pas dormir en Égypte aujourd'hui. That will sleep in Egypt today. L'onction de Dieu est sur ma vie. The anointing of God is on my life. Pour proclamer ta libération. To proclaim your freedom. Toute maladie dans ton corps. Every disease in your body. Quelle que soit l'origine. No matter its origin. L'Éternel t'en guérit au nom de Jésus. The Lord heals you in Jesus' name. Je sais qu'il y a les gens qui pleurent. I know there are people crying. À cause des maladies. Because of diseases. Je sais aussi que la maladie n'est pas une bonne chose. I also know a disease is not a good thing. Que l'Éternel te donne la santé. May the Lord give you health. Qu'il te donne la restauration. May he give you restoration. Célèbre la victoire ce matin. Celebrate victory this morning. Shekinah, Shekinah. Shekinah, 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 la Shekinah, 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 la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme une nuée, en ce lieu, elle entre en ce lieu, comme une nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme, la Shekinah, oui, je la veux, je la veux, je la veux, est-ce que tu veux la Shekinah ce matin? Je la veux, je la veux, je la veux. Yeah, 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 yeah. Je la veux, je la veux, je la veux. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce matin? En ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Je vois la Shekinah sur ta vie. En ce lieu, en ce lieu, je la veux. Je vois la Shekinah sur toi. Je la veux, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que tu peux lever la voix pour célébrer Jésus? Ouvre ton cœur, c'est qui n'a veut entrer. Ouvre ton cœur, la Shekinah veut entrer. Ouvre ton cœur, la Shekinah veut entrer. Ouvre ton cœur, la Shekinah veut entrer. La Shekinah, 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 Shekinah. La Shekinah, elle est là. La Shekinah, elle reste. La Shekinah te guérit. La Shekinah te guérit. La Shekinah, 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 Shekinah. Reçois la Shekinah au nom de Jésus. Amen. Reçois la gloire au nom de Jésus. Oh. Jamanero. Nous voulons résoudre quelques problèmes. We want to solve some problems. Action time. L'action. Dis à ton voisin action time. Tell action time. L'heure de l'action. Ok. Rapidement, l'huile. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore.
When I remember what the Lord has done. Mets-toi à genoux ici. Kneel down. Mets-toi à genoux. À genoux. À genoux. Sa femme est où? Où est sa femme? Dieu m'a dit de vous ordonner. Don't ask me to order. Jeve jaro zarumo, jarumo mu. Ospera mi jarame, jarame mu. Ospe jaro sera mu. Ospera mi moledo, jevaro, jevarami. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. 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 Alléluia, Jésus m'a sauvé. Tout le monde. Jésus, voyez! Jésus, voyez! Reçois la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire! Je reçois! Acclame Jésus! Yes! Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. De vous ordonner. Ask me to ordain you. Et c'est ce que je veux faire. And that's what I will do. Après que cette huile sera versée sur vous, after this oil will be poured on you, vous ne serez plus aspirant, mais révérend pasteur dans l'église Réma. Père, je les élève devant toi qui m'a appelé pour ton service, for thy service. Et juste ton service. Just for your service. Père, je verse cette huile Father, sur eux. I pour this oil upon them, juste pour te servir. Just to serve you. Donne-leur un cœur d'enfant. Give them a heart of a child, juste pour te servir. Just to serve you. Un esprit de sacrifice, a spirit of sacrifice, juste pour te servir. Just to serve you. La faveur dans leur vie et leur favor famille, in their lives and their families, juste pour te servir. Just to serve you. L'abnégation dans ta maison, devotion juste pour in te your servir. House, just to serve you. Au nom de Jésus, in par l'autorité name, que j'ai dans ce ministère, ministry, je vous ordonne, I ordain you, révérend pasteur, Reverend Pastor, dans l'église Réma Ministry Mission. Au nom du Père, in the name of the du Father, Fils the Son, et du Saint-Esprit. The Holy Spirit. Amen. Amen.
À partir de maintenant, le Dieu qui m'a appelé sera sur vous, avec vous, partout où vous irez. Et partout où vous serez envoyé en mission, l'Éternel vous donnera la victoire sur vos ennemis. Il dépossédera vos ennemis de leurs bâtons maléfiques. Je vous bénis. I bless des bénédictions you. De Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham, Isaac, and du Dieu vivant from the living qui depuis mon enfance a marché avec moi, m'a sauvé des dangers de la vie, m'a épargné des desseins malsains et maléfiques de mes ennemis. Que la grâce de Dieu devant qui je marche jour et nuit et devant qui je fléchis les genoux tous les jours de ma vie, que cette grâce soit sur vous. Que les regards de mon Dieu ne s'éteignent jamais à votre sujet. Je vous bénis des bénédictions de Dieu qui m'a béni. Au nom souverain de Jésus-Christ. J'ai l'honneur de vous présenter le couple pastoral. Mettez-vous comme ça. J'ai l'honneur de vous présenter le couple pastoral, le révérend et la révérende Mouéné. Désormais, ils servent sous ce manteau avec autorité en tant que pasteur ordonné dans notre église. Amen. Respectez-les. Respect them. Aimez-les. Love them. Priez pour eux. Pray for them. Pendant qu'ils vous servent. While they serve you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Félicitations. Congratulations. Félicitations. Binga Sunam. Binga Sunam. Hosanna. Binga Sunam. Hosanna. Binga Sunam. Hosanna. Binga Sunam. Binga Sunam. Hosanna. Binga Sunam yala. Hosanna. Binga Sunam. Hosanna. Yeva. Qui est prêt? Qui est prêt? Ander tende alla am. Binga Sunam. Mina tinte fatira. Ter ter de modania. Ingesine. Mi almo mi hidima. Alla amban alla ma. Ingesine. Ter de amban ter de ma. Oh oh sunem. Hosanna. Ingesine. Hosanna. Ça, c'est la danse de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Je te vois sortir de l'Égypte ce matin. Je te vois tes enfants sortis au nom de Jésus. Amen. Si tu ne danses pas, c'est comme si toi tu veux encore l'Égypte. Hey, 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 hey.
la 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 la. Let us sit for a minute. Tout à l'heure, on va prier avec le oint. Si vous avez accompagné un paralytique, après la prière, demandez-lui de marcher. Qui se lève avec sa béquille. Si vous avez accompagné quelqu'un qui n'entend pas, tapez la main, demandez-lui est-ce que tu entends. Dès qu'il vous dit oui, vous le faites avancer. Ainsi de suite. Si quelqu'un est venu aveugle, vous dites regarde-moi. Dès qu'il dit que oh, vous dites touche mon nez. Dès qu'il touche, vous l'envoyez ici devant. Dieu va nous guérir au nom de Jésus. God will heal us in Jesus' name. Avant de prier sur l'eau, before I pray on water, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent de cas de sorcellerie dans leur famille? Issues of witchcraft in their families. Ok, c'est tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des enfants sorciers dans la maison? Des enfants sorciers et ils sont ici. And they are here. Venez. Mo sanam Useni mitori mo sanam mo sanam mo sanam mo sanam mitori mo mo sanam mo sanam jalanam jalanam ya isha mitori jalanam 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 Mitori ma jalana jalana eh to wakati do wara min do tura isame yende go min jaran mo min ya midan der ajal namako yende man min chali dan min boli dan der asama alame yende man min chodi dan wala bana isha alamen mo sanam mo sanam useni mitori mo sanam mo sanam mo sanam mo sanam ya allah mo sanam mo sanam jalanam jalanam ya isha mitori Jalanam, 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 Isa Jalanam, wakati do salamin do tora isame yende ko dera chalna mindaran isa motagi mede yende man min chodi dan min yami dan wala bana isame yende man min chodi dan wala bana isa alame Mo sanam, mo sanam, useni mitori, mo sanam, mo sanam, mo sanam, mo sanam. Che ina barozi ina groveta, robana utinos taudelos. Écoutez, j'ai vu une rivière. Et la rivière se coule, ça coule, ça coule. Et ça emporte tout sur son passage. Et j'ai demandé à Dieu ce que c'est. Il m'a dit c'est le ministère que l'eau Wendt va rendre à chacune de nos familles. Tout ce qui est mauvais dans ta vie va être emporté. S'il vous plaît, je veux deux personnes. Si vous êtes dans la salle, vous souffriez d'une maladie incurable. Vous avez utilisé lui de l'eau Wendt et le Saint vous a guéri, venez. Deux personnes, deux témoignages. Deux personnes.
Vous souffrez d'une maladie incurable. Vous avez appliqué ça soit sur vous, soit sur quelqu'un. Et la personne est retournée à l'hôpital et elle était guérie. J'ai appris qu'il y a les tests ambulants. Venez. Les tests ambulants du VIH. Hein? On m'a dit qu'il y a les tests qu'on vend dans les pharmacies. On peut faire ça. Nous allons acheter ça d'ici la semaine prochaine. Quand on prie sur les malades, on prie. Vous partez. Quand vous arrivez, vous passez. On veut les infirmiers. Les gens du témoignage sont où? Donc, s'il vous plaît, après le culte-ci, je veux deux personnes qui ont été guéries des maladies incurables. Après le culte-ci, voici l'administrateur général. Comme tout, je voudrais tenir une réunion avec tous ceux qui font dans le corps médical. Nous voulons tenir une réunion pour deux raisons. Pour la première que j'ai citée tout à l'heure, les malades du VIH, quand vous arrivez, on vous teste. On va faire un petit hangar. On vous teste. Si c'est positif, ça veut dire que vous êtes malade. On vous donne, on vous remet le petit appareil là. Vous venez, on prie. Quand on finit de prier, vous retournez là-bas. Vous donnez encore le sang, on teste encore. Si c'est négatif, vous revenez. Et on va expérimenter ça à partir de dimanche prochain. Donc, tous ceux qui sont docteurs, infirmiers, médecins, voyez l'administrateur après. Il vous dira, donnez votre nom, numéro de téléphone. On aura une réunion ensemble. J'aurai une réunion avec vous. La deuxième raison, nous projetons ouvrir une clinique, un centre médical. Donc nous voulons cette réunion pour que vous nous partagiez votre expérience et ceux qui sont disponibles pour que nous formions une équipe forte pour ce centre médical. Ensuite, j'aurai besoin de tous les techniciens, maçons, menuisiers, ingénieurs, entrepreneurs, etc. Et aussi après, s'il vous plaît, ne rentrez pas, voyez-le, c'est juste quelques minutes. Laissez votre contact, votre nom, nous vous appellerons. Je tiendrai une réunion avec vous pour qu'ensemble, nous travaillions sur le projet de l'école que nous voulons ouvrir. Donc s'il vous plaît, faites-le. So please do it. Et le Seigneur vous bénira. And the Lord will bless you. Ceux qui sont infirmiers, vous enseignez à l'école primaire. Parce qu'on va commencer par l'école primaire. Donc, déposez même déjà vos demandes à l'administrateur. Wow. Ok. Oui, qui a été guéri? Qui a expérimenté une guérison extraordinaire? Who experienced an extraordinary healing? Je veux deux témoignages. Qui? I want two testimonies. Oui, maman. Faisons vite, non? On finit vite. On rentre manger le poulet à la maison. Pour ceux qui vont manger le poulet. Le constat que j'ai fait, je suis asthmatique dès mon enfance. Oui. J'étais asthmatique. Mais depuis que j'ai commencé à venir ici, je ne pouvais pas faire 30 minutes sans avoir ma ventoline en main. Waouh! Depuis que j'ai commencé à utiliser l'huile de faveur et l'eau ouinte, je marche sans ventoline. Waouh! Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je demande à tout un chacun d'avoir la confiance en son Dieu. Oui, et il serait guéri par l'eau ouinte et l'huile de faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons de votre guérison. Oui, ici. Père de Dieu, bonsoir. C'est par rapport à mon fils. J'ai accouché mon fils. Il a fait 1 an, 2 mois, sans jamais éternuer.
on disait qu'on va l'opérer. Quand il avait la grippe, rien ne sortait. Ça fait un mois. Mon fils éternue normalement. Il éternue. Il est né, il n'éternuait pas. Il n'éternuait pas. Un an, six mois, il n'éternuait pas. Et on a dit qu'il n'éternuait pas. Pourquoi? Il n'éternuait pas. J'étais à l'hôpital. On m'a dit qu'on va l'opérer. On a fait les examens. On dit qu'il a un problème au niveau du cerveau. Dieu merci, tout est débloqué comme ça. Waouh! Acclame Jésus. Clap Jesus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Écoutez, quand je priais hier, j'ai vu un monsieur qui voulait aller aux élections. Et il voulait aller aux élections, mais il n'a pas pu aller aux élections. Je l'ai vu avec les documents. Il voulait être candidat aux élections présidentielles. Mais il n'a pas pu. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, que ce soit dedans ou dehors, qui voulait être candidat aux élections présidentielles de cette année? J'ai une parole de Dieu pour vous. Vous êtes ici, vous êtes là. J'ai une parole pour vous. Il est où? Il est où? Il est où? Where is he? Dieu m'a dit de prier pour vous hier à la maison. J'étais à genoux. I was kneeling down. Et je vous ai vu. And I saw you. Donc, s'il vous plaît, venez. So please come. Il voulait être candidat à la présidence de la République. Il est où? Where is he? Il ne veut pas savoir ce qui va arriver. Il ne veut pas la prophétie. Vous voyez, un candidat président. Il n'est pas déclaré au... Il n'a pas été déclaré parmi les candidats. Mais il est ici. Pardon. Please. Ça, c'est qui? Tous les enfants, ils sont sorciers. Ils ont confessé la sorcellerie. Did they confess witchcraft? Hein? Il a confessé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il a un chef qui lui a donné de l'eau avec un remède à l'intérieur où ils ont commencé à faire la magie. Ils vont en brousse, ils font des choses. Il a tenu la main de sa petite sœur. Il a tenu la main de sa petite sœur dans la sorcellerie. Et ça, tout le monde suit. Et son chef voulait tuer sa petite sœur, mais il a dit à son chef, si tu tues ma petite sœur, je te tue. Un tas de trucs qu'il a raconté. Il a quel âge? 6 ans. D'accord. Vous, vous êtes là pourquoi? C'est pour ma fille. Elle a confessé la sorcellerie. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit souvent que ses soeurs et ses frères, sorciers et les sorcières, viennent souvent la prendre dans la nuit pour s'envoler. Pour s'envoler? Qui vient te chercher? C'est une fille. Elle, c'est ma petite soeur. Et c'est tout le monde suit? Et quand elle vient te chercher, vous partez faire quoi? Elle est la reine, celle qui commande. Elle est? La reine. La reine. Elle a quel âge, la reine? Elle a 6 ans. Et quand vous sortez, c'est pour faire quoi? C'est pour aller déranger les gens. Hein? Moi, je suis sirène. Elle, c'est la toi, reine. Toi, tu es quoi? Je suis une sirène. Tu es une sirène? Oui. La sirène, c'est quoi? La sirène, c'est quand tu es dans l'eau. Mettez le volume. La sirène, c'est quoi? La sirène, c'est que je suis dans l'eau. Il y a parfois, je me transforme en rat. Tu te transformes en rat? Oui. Et quand tu te transformes en rat, tu fais quoi? J'arrache les manioc que toute ma grand-mère sème. Tu arraches les manioc du champ de ta grand-mère? Oui. Pourquoi? Pourquoi?
Il a confessé. Oui. Il a dit quoi? Il a dit qu'il connaît la personne qui lui a donné la sorcellerie. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Ma grand-mère. Et vous partez faire quoi là-bas? What do you do there? Pour aller m'empoisonner. Tu sors souvent avec eux? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit seulement que c'est maman qui est au village qui lui a donné la sorcellerie. D'accord. Oui. Oui, je veux confesser que ma mère, ma tante m'avait donné la sorcellerie quand j'étais petite. Elle m'a envoûtée et elle a demandé que chaque fois que quelqu'un mange le poulet, la personne doit tomber malade. Quel et maintenant, poulet? Le poulet braisé avec le miandon et le ndolet. Donc, si tu manges ça, tu tombes malade. Et elle m'a aussi dit que je suis une princesse des eaux. Je suis une reine. Et donc, quand quelqu'un veut m'attaquer, c'est elle qui vient combattre à ma place. Et elle dit que si toi, tu tentes un peu, elle te finit. Et elle déteste bébé Djemina. Et elle calcule bébé Djemina depuis. Hein? Elle fait quoi? Elle déteste bébé Djemina. Et elle calcule bébé Djemina depuis. Elle dit que tu n'es pas un petit sorcier. Tu es un apprenti sorcier. Elle va te corriger comme elle corrige Paul Biya. Qui a dit ça? Chut. Calmez-vous. Attendez, attendez. Chut, chut, chut. Calmez-vous. Ça, c'est un petit problème. Calmez-vous. Vous voyez, ça, c'est la guerre des bâtons. This is the war. Dis à ton voisin, la guerre des bâtons. La guerre des bâtons. La guerre est ouverte. La chasse est ouverte. Tu dis que c'est qui? Je dis que c'est ma tante. C'est qui? Maman m'a mis. Elle est où? Elle est à Almessa. Elle s'appelle Christine Tolanembo, mais Christine. Va l'appeler. Dis-lui que j'ai dit que je veux la voir. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que je suis plus fort. Dis-lui. Écoute bien. Oui. Dis-lui que le prophète Ekane Ferdinand, le prophète. Elle dit qu'elle déteste Rema. Écoute. Oui. Dis-lui que le prophète de la forêt de Bogo est. Suis-moi. Dis-lui que j'ai dit. Tell her that I said. Ah? Oui. Va lui dire que j'ai dit. Elle va tuer Bité. Écoute-moi. Écoute. Listen. Sa famille est où? Where is her family? C'est ta soeur. Hein? C'est ma fille. Donc, mon feu cousin, c'est sa fille. Donc, ce qu'elle dit là, c'est l'aîné de notre famille. C'est elle qui est à l'origine de nous sortir dans la famille. Et je viens de perdre ma maman. Bon, maintenant, oui. Le problème. The problem, c'est que celle-ci this one, a fait un pacte. Made a pact. Elle. Huh. Hein? Elle a fait un pacte. She made a pact. Et c'est le pacte qui est en train de tourner sur elle. And is that evil pact moving on? Est-ce que vous me suivez? Oui. Are you getting me? Oui. Donc, où elle est? So where il y a un esprit de folie sur elle. Ce n'est plus la possession, mais c'est la folie. It's not possession, but madness. Oui, papa So. Oui. Oui, je vous écoute bien. Mardi passé, j'étais au bureau. Elle est venue étant en pieds nus avec un cabas déchiré. Celle-ci. Oui, c'est elle qui m'a reconnu. Donc, je l'ai amenée. Donc, elle m'a vu au bureau très sale. C'est elle qui m'a même reconnu. Donc, je l'ai payé les babouches. Je l'ai fait d'accord. Que c'est lave. Ok, écoutez, elle a. Attendez, non, sincèrement. C'est qui vous la connaissez? Oui, c'est qui? L'enfant de ma grande sœur. D'accord, il n'y a pas de problème. En fait, moi j'ai pitié d'elle. I pity vous her. Voyez, je ne peux pas me fâcher. I cannot get angry. Et elle a besoin d'aide. She needs help. De délivrance. C'est pour ça que Dieu m'a oint pour ce programme. That's why God anointed me for this program. Hein? Je ne peux pas lutter avec. I cannot fight. Quelqu'un qui n'a pas de force. With somebody not having his strength. Elle a besoin de délivrance. C'est she ça son problème. That is our problem. Mais ce qu'il faut retenir dedans, c'est que. What you have to hold inside, c'est qu'elle dit vous avez suivi. What she said, you've heard donc, it. C'est so, pour vous dire. It's to tell you,
Ces choses arrivent pour confirmer ce que je vous enseigne. Le nombre que vous êtes là. The number as you are. Chacun avec des millions de démons qui cherchent à détruire sa famille. Tous ces démons, je les affronte. I confront them. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chaque démon, chaque sorcier dans ton village voit que Dieu m'a oint pour ta délivrance. Il va dire non, le type là, il faut qu'on le touche. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit, le combat, si, c'est le combat, la guerre des bâtons. Ce n'est pas à votre niveau. Vous, vous serez spectateur de votre délivrance. Écoutez, et je veux être prudent. On a commencé. Je ne veux pas finir aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain, ici à 10h. On commence, j'introduis. On va écouter d'abord les confessions. Hein? On va écouter les confessions. Je veux être prudent. Quand je vais secouer mon manteau prophétique. Parce qu'il ne faut pas que les innocents meurent. Because innocent should not die. Parce que nous pouvons tuer quelqu'un par erreur. You can kill somebody an error. Le prophète Élisée a tué les enfants par erreur. Près de 42 enfants. Close to 42 children. Juste parce qu'ils avaient dit, oh, la calvitie. Il pouvait me pardonner ça. He could forgive. D'accord. Donc ça, elle, so, je vous dis qu'elle a fait un pacte avec un jeune homme. She made a pact with a young man. Hein? Vérité, papa, elle avait confessé ça. Non, laissez. Là. Elle a confessé que c'est avec un jeune homme à l'université qu'elle a eu à faire un pacte là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-lui le micro ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On était parti à une soirée des Blancs. On voulait devenir des amis des Blancs à l'ambassade d'Espagne. Et c'est pour cela qu'on est sorti ensemble. Mais le gars, après, il m'a laissé tomber et je ne sais plus. Vous avez fait quel pacte ensemble? Je ne sais plus très bien, mais on a accepté participer à la conférence des Blancs là, dans une salle. Et j'avais aussi eu un ami qui était dans l'état-major, il s'appelait Romaric. Elle vous a dit qu'elle a fait le pacte avec qui? Elle a fait un pacte avec un jeune homme, donc le premier gars qui lui est dévergé. Et le pacte c'était quoi? Donc, le pacte c'était qu'elle devait être prostituée de l'heure. Donc, oui. Donc là-bas, elle m'avait dit que là-bas maintenant, elle a ses voitures, elle roule là-bas. Elle d'accord. Est vous comprenez, c'est ça son problème. Mais on va résoudre ça, c'est un petit problème. Amen. Amen. Oui. Elle a confessé la sorcellerie. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le mois passé, elle a dit qu'elle était initiée à la sorcellerie. Bon, chaque fois, elle rêve que le serpent boit couche avec moi. Donc, quand on vient là-bas, chaque fois, je rêve que le serpent boit couche avec moi. Vous rêvez que le serpent couche avec vous? Comment? Écoutez, Apophis, redresse-toi. Apophis, elle dit qu'Apophis couche avec elle. Le serpent couche avec une femme, comment? Ça va n'expliquer pas, oui. Chaque fois, elle me dit que donc, quand on veut venir coucher avec moi, on l'appelle, elle sort, et c'est elle qui donne ma position au serpent. Il vient coucher avec moi. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Mon grand-père. Ça se passe comment? Qu'est-ce que vous avez fait à votre mère? Qu'est-ce qui se passe avec le serpent? Parle vite, il y a beaucoup de sorciers qui veulent parler. Vous avez la parole ce matin. Oui. Vous faites quoi dedans? Tu veux mourir dans la sorcellerie? Vas-y vite. Qui t'a mis dedans? Si je saute, je ne reviens pas sur toi. Tu vas aller t'asseoir. Et c'est toi qui vas manger. Qui t'a mis dedans? Qu'est-ce que vous avez fait avec le serpent sur votre mère? Va t'asseoir. Go! Oui, toi, il a confessé. Il a dit quoi? Quand il dort, quand il passe au coucher dans la nuit, il me dit carrément qu'il ne dort pas. Au moment où je le réveille à 6h pour qu'il s'apprête,
il me dit qu'il est fatigué, que je le laisse, il veut se reposer parce qu'il n'a pas dormi dans la nuit. Et en journée maintenant, il se met à pleurer qu'il a mal au ventre. Chaque fois, il a mal au ventre. D'accord. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Mon grand-père. Vous sortez faire quoi? Je ne sais pas. Madame, allez causer avec votre enfant bien. Asseyez-vous. Et vous? Je vais prier. Écoutez, dimanche prochain, je vais prier. Même si c'est votre enfant, si vous tentez, il va mourir. Voilà le décret que je vais sortir dimanche prochain. Hein? C'est mon fils aîné que vous voyez sur la photo. Oui. On était venu au culte de famille. Il a commencé à se torturer. Il disait qu'on le menace. Et cette année, il était chez sa grand-mère maternelle, dont ma mère. Il disait que quand les voisins priaient, il était gêné. Bon, la maman m'a fait appel, je suis partie. Quand je suis partie, j'arrive, il me dit que les gens viennent pour me prendre à la sorcellerie, mais je ne veux pas, j'appartiens à Jésus. Donc, il est où? Il n'est pas avec moi présentement. Amenez-le-moi dimanche prochain. Oui, c'est dimanche le 16, c'est ça? Dimanche prochain, le 16. Le 16 septembre. Venez avec lui pour la délivrance. Vous. Vous voyez, c'est mauvais ici. Si vous pouvez voir les anges qui sont dans la salle-ci, vous ne pouvez pas imaginer. Elle dit quoi? Je serai libéré. Je serai libéré. Qu'elle confesse. Non. Son problème, c'est quoi? Elle est en train de dire quoi? Non, mais si elle est prête, elle vient. La maman elle-même a besoin de délivrance. Il a confessé à la sorcellerie. Oui, daddy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que mon ex-fiancé vient coucher avec moi à travers lui. Il a quel âge? Il a 6 ans. Et tout ce que j'entreprends faire ces derniers temps-ci, rien ne marche. Dis, la guerre est ouverte. Dis, la guerre est ouverte. La guerre est ouverte. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Je veux les sorciers qui parlent vite, pas les sorciers timides. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Ma tante. Vous partez souvent faire quoi? On partait souvent marcher. Et vous partez faire quoi là-bas? Ça, c'est un sorcier qui n'est pas vaillant. Vous? Elle a confessé. Elle dit qu'on vient la chercher chaque nuit. Elle refuse. Quand elle refuse, on la tape bien même. Elle me cite les noms des gens. Elle dit qu'on m'a bloqué l'accouchement. On a vendu mon ventre, que je ne dois pas accoucher. Ils ont effacé le nom de mon fils. Comme il a eu, il doit faire la police. Vous parlez encore plus que sorcier lui-même. Oui, qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est Maman Célée. Maman Célé, hein? Vous sortez, c'est qui pour vous, Maman Célé? Ma belle sœur. D'accord, ça va. Vous partez faire quoi là-bas? Pas arrêter les gens. Et vous faites quoi avec eux quand vous les arrêtez? On les égorge. Et quand vous égorgez, vous faites quoi d'eux? On mange. Et c'est sucré? Non. Mais vous mangez quand même? Il y a les jours que je ne mange pas. Et les jours que tu manges? D'accord. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux toujours être sorcière ou tu veux être délivrée? Je veux que vous me délivrez. Qu'est-ce que vous avez fait à maman, si, à ta mère? Dans la sorcellerie, vous lui avez fait quoi? On a les maisons. Vous, c'est pourquoi? Écoutez, il y a une femme ici. Vous êtes avec. Vous avez connu un monsieur qu'on appelait comme Eyena. C'est Eyena. Comme Eyena ou c'est Eyena? Eyena. Eyena. Quelque chose comme ça, Eyena. Something like that. Vous êtes séparés. You are separated. Je veux prier avec vous. Ça, c'est un problème de sorcellerie. There is a problem of witchcraft. S'il vous plaît. Please. Venez. Come. Seems as if people. Il y a une femme. There is a vous woman. Avez vécu avec un monsieur et vous êtes séparés. You have lived with a man, you separated. On l'appelait comme Eyena ou c'est. They called him like. Eyena. 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 Eyena.
Eyena ou c'est Eyena? What is Eyena? Non. Eyena. Eyena. Qu'elle vienne vite, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous aider. Oh. I want to Toutes mes prophéties seront chirurgicales contre la sorcellerie. C'est ça que nous voulons faire. That's what we want to do. C'est comme c'est Eyena. Like Eyena. Eyena ou Eyane ou Eyena. Something like this. Quelque chose comme ça. C'est qui? C'est quoi? Oui. Qui vous a initié à la sorcellerie? Vous initiez avec les pastors. Où est la dame là? Vous avez connu un monsieur Eyena. Eyena. Ayena. Ou c'est Ayena? Ou c'est Eyena ou Ayena? Ayena. Hein? Ayena. Ayena, oui. Je peux même vous donner. Il y a un prophète que j'ai vu, il a giflé quelqu'un sur YouTube. Hein. Et il a dit que la prophétie coûte cher. Tu sais combien je me suis. J'ai souffert dans les prières. C'est qui? Ayena. Bienvenue. Merci. Comme. Mettez-vous ici. Stand here. Vous êtes avec qui ici? Vous êtes avec qui? Elle est où? Where is she? Tout le monde, toute votre famille vous rejoint là-bas. Let's On va résoudre prophétiquement ça. D'accord. Vous, qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon père qui était mort. Il t'a mis avant ou après la mort? Il m'a mis avant. Et vous sortez faire quoi? What were you doing outside? On va déranger la vie de mes grandes soeurs. Vous dérangez leur vie comment? How do you disturb their lives? On part où ils habitent. On entre chez eux, on prend le verre. Après, on commence à casser au sol. Dès qu'ils viennent marcher, ils piétinent ça. Ça entre dans les pieds. Et quand ça entre, ça devient quoi? When it enters, what does it become? Ils commencent à dire le matin qu'ils ont mal aux pieds. On les a fait mal aux pieds. Vous suivez ça? Do you understand this? J'ai mon oncle qui, quelque chose là, gratter le pied. Something Donnez un peu mon téléphone, s'il vous plaît. Je vais montrer aux gens. I will show. Nous devons travailler contre la sorcellerie. Hein? Je veux que vous compreniez ça pour comprendre que l'histoire, ce n'est pas les jeux. Dieu nous rassemble ici pour la restauration complète. Dit restauration complète. C'est complete restoration. Ça, c'est le pied de mon oncle. This is the leg of my uncle. Le petit frère à feu, mon père. The junior brother to my late father. C'est juste quelque chose qu'il a piqué. Just Maintenant, l'os est dehors. Now the bone is outside. C'est bon. Donc ça rejoint un peu ce que l'enfant l'a dit. Quelque chose te pique et ça devient le cancer. Donc c'est des problèmes sérieux. On ne peut plus négliger ça, c'est fini. Ok, d'accord. Bon, les restes. Ils sont dans une équipe de sorcellerie. Même s'ils sont dans une file de sorcellerie, vraiment, ça on va régler ça. Ok, les autres. Dimanche prochain, Next Sunday, c'est la délivrance. Deliverance. On va arracher leur bâton. On va arracher leur bâton et les libérer pour que vos familles soient en sécurité. So si dans une famille, il y a un sorcier, comment vous pouvez prospérer dans cette famille? Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous demandez qu'est-ce que, pourquoi vous le faites, c'est pour rien. Il n'y a pas une raison. C'est-à-dire, c'est par méchanceté gratuite, tout simplement. C'est fini. Ça n'arrivera plus dans nos familles au nom de Jésus. Donc, il y a certains d'entre vos enfants qui vont fuir. Soyez prudents. Be careful. Dormez avec un œil. Surtout dimanche le 19. Parce que les sorciers savent ce qui va se passer ici. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus. In Jesus' name, j'arrache les bâtons des sorciers. I seize the things of wizards. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Tout plan contre ma vie est anathème. Any plan against my life. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name.
Je vais prier pour la famille ici et on va prendre chacun sa bouteille d'eau ointe. Venez, aidez-la, 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 aidez-la. Zaguri, Jevari Maro, avancez-les. Jevarami, Amasari, Jérémy Molexera, Go Jérémy Lotem, c'est bon. Zorin, Amsera, mettez-vous comme ça. À côté d'elle. Oh, Amsera. Oh, Amsera. Martin. C'était qui? Ayene. 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 Pourquoi depuis que je parlais, vous ne vous êtes pas levé? Parce que vous prononciez Ayene. Je ne me suis pas retrouvée. Mais je disais à ma soeur quand même que ça peut être Ayene. J'ai dit Ayena, après j'ai dit Ayena ou Ayene ou Ayene. Je suis nordiste, je me bats. Tu me voles une ma foufoule de John Taro. Quoi, femme à Tenderman. Tu vois, maintenant elle est perdue. À cause de Ayene, elle ne veut pas venir. D'accord. Je vous ai vu avec l'homme ici. Vous avez vécu ensemble? Ah? Vous êtes sortis ensemble? Oui. D'accord. Il y a une racine que Dieu veut que je coupe dans votre vie, votre famille. Amen. Ah? Vous êtes né comme ça? Hein? Non, papa. D'accord. On va arranger ça. La sorcellerie doit mourir dans votre famille. J'ai vu un homme dans la salle avec un papier. Sur le papier, c'est comme un problème. Je ne sais pas, c'est comme un conflit avec Didier. Avec Didier. Il y a un papier. C'est comme un conflit avec Didier. Avec un monsieur qu'on appelle Didier. Je veux prier avec vous, s'il vous plaît. Depuis l'ange me montre ça comme ça. Je veux prier avec vous. Il y a un problème avec un monsieur qu'on appelle Didier. J'ai vu des papiers en rapport avec l'affaire de Didier. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. À l'époque où vous étiez avec Ayena, c'est Ayena ou c'est Ayena? Hein? Ayene. Vous le connaissez? Vous connaissez Ayene là? Vous le connaissez? Vous l'avez connu? Oui, papa. Tobi l'ami Anna Barasta ou Degafera Ino Groza, Somraïn ou Allo. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait 1-0. Le monsieur, si. Est-ce que vous aviez déjà soupçonné qu'il était compliqué? Est-ce que vous aviez soupçonné ça? Non. Vous n'avez jamais soupçonné? Vous n'avez pas soupçonné qu'il était compliqué? C'est ça, n'est-ce pas? Vous saviez qu'ils sortaient ensemble? Bien, Marie, c'est qui? Moi. Hein? Moi. D'accord. Bonjour Marie. Merci papa, bonjour. En fait, on a beaucoup de maris, mais comme moi-même, je suis aussi Marie, donc je me mets devant. C'est vous que je cherche. Merci papa, amen. Bonne arrivée. Merci. Bien, ce Ayene, Ayene, il y a quelque chose qui n'était pas bien. There is something that was not good. Où est le monsieur qui a des problèmes avec monsieur Didier? Il est où? The man having problems with monsieur Didier. Ce Ayene. Ah, ce Ayene, je l'ai vu en train de marcher dans un groupe. Et le groupe n'était pas un bon groupe. Et je vous ai vu ensemble un jour dans une chambre. Et dans la chambre, il y a eu un problème avec le préservatif. Ah? Il y a eu un problème avec le préservatif.
Vous êtes allés ensemble, vous avez fait ce que vous devriez faire. Vous avez fini de faire ce qui n'était pas bien devant l'Éternel, mon Dieu. Et quand vous avez fini, il a récupéré le préservatif. Parce que le préservatif, si, il fallait le jeter. Mais ce préservatif n'a pas été jeté. Vous n'êtes pas sorti avec le préservatif. Et le préservatif, il a pris le préservatif. Et il est parti avec. À votre insu. Il a dit non, je vais jeter le préservatif. Je vais jeter le préservatif. Attendez, je vais vous aider. Let me help you. On a déjà causé un jour. Bien. Discussed one day? La chambre où je vous ai vu ici, ce n'était pas chez lui. Ce n'était pas chez Eyene. Et vous êtes allé dans la même chambre ici deux fois. La première fois, il avait un ensemble. Parce que quand je parle, vous pensez que j'imagine. Il avait un ensemble comme jaune. C'était un ensemble. Courte manche. Vous êtes entré dans la chambre ici. Il s'est déshabillé. Quand il s'est déshabillé, il avait une culotte anglaise. Vous connaissez les caleçons anglais, les Bermudas de couleur blanche. Écrit sur ça Adidas. C'est ça? Oui. D'accord. Le jour là, vous avez fini ce que vous aviez à faire. Et vous êtes parti. Nakuriata ou deramra ida una erobanta. La deuxième fois où il a pris le préservatif, il était en jean, il avait un jean et il avait une tennis de couleur noire avec les lacets blanches, avec un tricot blanc, avec quelque chose écrit ici et avec un nombre 33 à le côté gauche ici. C'est ça, madame? Hein? Ok. Jena una hello barus. Qui est prêt, qui est prêt, qui est prêt, qui est prêt? Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu. C'est my Father and my God. La guerre des bâtons est ouverte. The war of sins is open. Toute puissance des ténèbres contre ma vie. Any power of darkness against my life. Je la renverse au nom de Jésus. I bring it down in Jesus' name. Vous, quand je vous vois, vous me suivez? C'est votre quantième fois de venir ici. When I see you, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes venu avec qui? Avec ma soeur. C'est votre soeur. Et mes enfants. Et ça, c'est vos enfants. And these are your children. Oh! Quand je vous ai vu, when I saw you, j'ai vu écrit sur vous célibataire. I saw written on you single. Hein? J'ai vu écrit célibataire sur vous. On you. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. God asked me to pray. Parce qu'il y a un esprit puissant. There is a mighty spirit qui est derrière vous. Behind you. L'esprit qui fait que quand vous vous fâchez, c'est à cause de ça que les hommes vous fuient. Quand vous vous fâchez, tout le monde a peur de vous dans votre famille. Everybody is afraid of you in your family. Parce que vous bagarrez comme un homme. Because you fight like a man. Ce que j'ai dit ici, c'est pas ça, je parle au pardon. Hein? Elle est mariée, n'est-ce pas? She is married. Elle est mariée, non? She is married, isn't it? Officiellement. Officially. Je vois écrit sur vous célibat. I'm seeing written on you. Hein? Si. Je vois écrit sur vous I'm quoi? Written on you. Célibat. Si. Je n'ai pas demandé si vous êtes marié ou si vous n'êtes pas marié. C'est ça, non? Oui. Très bien. Quand je vous vois spirituellement parlant, vous n'êtes pas marié. You are not married. Hein? Oui. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Oh, j'aime cette question. Venez, je vais vous expliquer. Venez. Ça, la femme qui s'appelle Marie. This woman is called. Vous connaissez qui qu'on appelle Marie? Oui. Vous connaissez qui Marie? Qu'on appelle Marie? Ma maman. Bien. Le Seigneur m'a dit la femme qui est célibataire. This woman is a bachelor. Et j'ai dit à Dieu. And I told God. Et l'homme qui est à côté d'elle, c'est qui? Dieu m'a dit, dis-lui. Qu'elle est célibataire. Quand vous vous êtes marié, j'ai vu des photos. En passant, quand je vous vois, j'ai vu une photo. Une photo de l'étranger derrière vous chez les Blancs. Vous vivez où? En France. Merci. Et ce voyage était comme une délivrance. And that journey was like a deliverance.
Mais il y a une femme. But there is a woman qui vous a suivi où vous êtes allé. That followed you where you went to. Dans la sorcellerie. In witchcraft. Et ce jour, je vous ai pris aux toilettes. And that day I saw you in vous avez fini toilet. Le bain et tout cela, vous êtes revenu. You finished taking your bath and you came back. Et l'alliance s'est perdue. And the ring was lost. Et quand l'alliance s'est perdue, c'est cette femme ring, qui a pris votre alliance et à l'heure où je vous parle, votre alliance est dans une cage, dans une calebasse, en captivité chez une femme. In captivity. Et si nous ne prions pas, and if we don't pray, vous compterez 6 mois que votre mari vous mettra à la porte. And your husband will parce qu'à l'heure où je vous parle, because vous n'êtes plus sa femme you, dans son cœur. You're not more his wife in his heart. Je suis même déjà divorcée. Je suis déjà divorcée. Nous prions pour votre délivrance, votre libération. Alléluia. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Be free. Lee. In Jesus. Au nom de Jésus. Be free. Be free in Jesus. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Lift up your hands. Say my Father and my God. Ta grâce est dans ma vie. Your grace is in my life. Et ta puissance marche devant ma vie. And your power walks before my life. Dans le nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Prends ta bouteille d'eau ouinte. Prends take ta bouteille d'eau ouinte. Water. Nous allons prier. We are going to pray. Dieu varei. Ozorumi. Dieu varei. Jeram. Lève ta bouteille d'eau ouinte. Lift up your bottle of anointed water. Dis mon Père et mon Dieu. Say my Father and my God. Comme je bois de cette eau ouinte. As I drink of this anointed water. Je me sépare. I separate myself. De l'influence maléfique. From evil influence. Des bâtons des sorciers. From the rods of wizards. Qui ont agi dans ma famille. That acted in my family. Au nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Maintenant, je veux proclamer la parole de l'Éternel sur toi. Proclaim the word of the Lord. Comme tu prends de cette eau. As you drink of this water. L'Éternel te retire de l'Égypte au nom de Jésus. The Lord removes you from Egypt in Jesus' name. Comme tu prends de cette eau. As you take of L'Éternel this water, te guérit de toute maladie au nom de Jésus. The Lord heals you from every disease in Jesus' name. Comme tu bois de cette eau. As you take of this tu es restauré dans tous les domaines de ta vie. You are restored in all the domains of your life. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Comme tu bois de cette eau. As you drink of this tout ce qui est impur dans ta vie. All what is impure in your libère life, ta vie au nom de Jésus. Your life in Jesus' name. La malédiction est changée en bénédiction. Curse is changed in blessing. Comme tu bois de cette eau. As you drink of this la water, pauvreté est changée en richesse. Poverty is changed in wealth. Comme tu bois de cette eau. As you drink of this le water, chômage dans ta famille joblessness est changé en travail. Is changed to work. Comme tu bois de cette eau. As you drink of this le célibat water, est changé en mariage. Singleness is changed in marriage. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Comme tu bois de cette eau. As you drink of this le water, bâton des sorciers arraché. The rod of wizards is seized. Le sang de Jésus te couvre. The blood of Jesus covers comme you. Tu bois de cette eau. As you drink of ta this vie water, est protégée. Your life is protected. Contre la menace de la sorcellerie. Against the threat of witchcraft. Comme tu bois de cette eau. As you drink of tout sorcier qui s'élèvera contre toi tombera sous ton you, pouvoir you fall under your power. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dis amen cette fois comme say le tonnerre. Seven times. Amen. 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 Ouf. Et bois une gorgée et reçois ta délivrance instantanément.
Père, je prie au nom de Jésus. Que toute forme de maladie libère leur vie. Que toute forme de malédiction quitte leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, l'Éternel te sépare des œuvres de la sorcellerie. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit mystique qui s'attaquait à ta vie, comme cette eau est en toi, une notion de séparation se manifeste. Qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus. Qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus. Qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus. Que ce soit le cancer. Let it be cancer. Que ce soit le VIH. Let it be HIV. Quelle que soit la maladie dont tu souffres. Sors de cette prison maintenant. Out of this prison now. Sors de cette prison maintenant. Out of this prison now. Sors au nom de Jésus-Christ. Out in Jesus' name. Jésus-Christ te libère. Jesus Christ sets you free. Jésus-Christ te libère. Jesus Christ sets you free. Jésus-Christ te guérit. Jesus Christ heals you. Sors. Out. Sors. Out. Out. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je commande. I command. Aux esprits de paralysie. To the spirit of paralysis. De libérer tes pieds. To loose your feet. De libérer tes mains. To loose your hands. De libérer tes membres. To loose your limbs. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi à partir de maintenant. Stand as from now. Tu es libéré. You are free. Lève-toi et marche. Stand and walk. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu souffres du cancer, tu souffres du VIH, ton sang est purifié. Your blood is purified. Que cette eau parcourt ton sang maintenant. Let this water go through your blood pour now. Éliminer tout virus dans ton to sang. Remove every virus in your au blood. Nom souverain de Jésus. In the mighty name of dans Jesus. Le nom puissant de Jésus. In the mighty name of dans Jesus. Le nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Je commande à toute oreille sourde. I command to every deaf ear. Qu'elle commence à entendre maintenant. To hear now. Qu'elle commence à entendre maintenant. Let it begin to hear now. Que tes oreilles s'ouvrent. Let your ears be au nom de Jésus. In the name of je Jesus. Commande à l'aveugle. I command to the blind. Ouvre les yeux et vois. Open your eyes and ouvre see. Les yeux et vois. Open your eyes ouvre and les see. Yeux et vois. Open your eyes and au see. Nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Je commande aux muets. I command to the dumb. Ta bouche est déliée. Your mouth is untied. J'ordonne que tu parles maintenant. I command you. Que ce soit dedans ou dehors, let it be inside or que outside. Les muets commencent à parler. Let the dumb begin to au talk. Nom souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Pendant que je parle, while I'm si speaking, tu étais paralytique, if you were paralyzed, jette ta béquille, mets la béquille sur l'épaule. Crutches, put your crutches on your voici shoulder. Une personne. This mets la béquille sur l'épaule et viens. Put your cross on your shoulder. Je veux voir go. Tous les paralytiques I ici devant. All the paralyzed in parce que vous êtes libérés au because nom de Jésus. You are free in Jesus' name. Pendant qu'ils sont guéris, tu reçois ta guérison you au nom de Jésus. Healing in Jesus' name. Si tu n'entendais pas, if you were not hearing, si tes oreilles sont ouvertes, if your avance ici open, en courant au nom de Jésus-Christ. Come forward running in Jesus' name. Si tu étais avec quelqu'un qui ne parle pas, if you were with someone that is not speaking, et que la personne parle, and the person speaks, qu'elle avance au nom puissant de Jésus. Come forward in Jesus' mighty name. Jena utalus mansaria nau gavera. Pres mansaria nau deko feli. Si tu avais une douleur, if you had a pain, qu'elle a disparu. That has disappeared. L'hémorroïde. Hemorrhage. Et que la maladie a disparu. And the disease has disappeared. Avance, donner gloire à Jésus. Come forward and give glory to Jesus. Mostao, regardez les paralytiques qui marchent. Wow, 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 wow. Célèbre Jésus. Celebrate Jesus. C'est l'heure du miracle et de la délivrance. C'est l'heure du miracle et de la délivrance. Si ton oreille n'entendait pas, bouche l'oreille. Touch the ear. Si tu entends ce que je dis, avance ici en courant, s'il te plaît. Zoma anna elo basturi anna ugrevo. Los mansuri anna ukrus.
Waouh, félicitations. Congratulations. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Voici des paralytiques qui marchent. These are paralyzed that vous n'entendiez pas. Mais maintenant vous entendez bien. Venez, mettez-vous debout. Waouh. Et vous, des miracles s'opèrent. Mettez-vous debout. Vous ne marchiez pas. Maintenant vous marchez. Woo! Maman, mettez-vous ici. Stand reçois here. Ton miracle. Receive voici une maman miracle. Qui court, qui ne marchait pas. Reçois ta guérison dehors. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu as été guéri, avance. Come forward. Nous voulons nous réjouir avec toi. We want to rejoice ne garde pas ce miracle pour don't toi seul. Venez. Come. Si tu ne voyais pas et que seen, tes yeux se sont ouverts, and your eyes are nous open, voulons partager cette joie avec we toi. Want to share this joy with you. Tu avais un enfant qui ne marchait pas. You had a child that was not pose-le walking. Par terre. Put him on the floor. Et vois ce que la main de Dieu peut faire. And see what the hand of God can do. Acclame Jésus. Clap Jesus. C'est si bon. De louer son nom, de chanter ses louanges. Voilà des paralytiques qui marchent. Chaque jour enrichissement. C'est si bon de louer ton nom, oh, oh. De chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer ta fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu. Say my Father and my merci God. Pour ta grâce dans ma vie. Thanks for your grace in my life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom souverain de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont reçu la guérison. That received healing. Ne restez pas où vous êtes, s'il vous plaît. Don't stay where you are, please. S'il vous plaît. Please. Ne restez pas où vous êtes. Don't stay where you are. Il y a une femme qui a un fils qu'on appelle comme Sylvain ou chose Sylvain. J'ai vu le jeune homme si comme paralysé, couché. I saw this young boy like paralyzed. Et Dieu me dit qu'il est guéri à l'heure où nous parlons. Me, he's healed at the time we're speaking. C'est comme c'est Sylvain ou c'est like Sylvestre ou Sylvain. Or Sylvestre. L'enfant, si je l'ai vu couché. I saw him lying. Mais alors nous sommes en train de parler, time, l'ange de l'Éternel l'a touché où il est. Lord touched him where you, he is. Maman, vous aviez quoi? J'avais mal au pied, ça fait 13 ans aujourd'hui. 13 ans? Oui, je marchais même avec la béquille, mais j'ai laissé ça aujourd'hui. Waouh! Ma petite fille me dit que grand-mère, tu ne prends pas ta béquille. Je lui ai dit que je marche comme ça. J'arrive à Réma avec mes pieds, je ne prends plus la béquille. Waouh! Quelle foi! Acclame pour la foi de cette femme. Maintenant marchez, on voit. Now walk, let us see. Depuis 13 ans, cette femme marchait avec une béquille. L'Éternel, oh! Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Elle court. Ton miracle va courir au nom puissant de Jésus. Ton miracle va courir au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous dites à Jésus, maman? What do you je remercie le Seigneur Dieu parce qu'il est terrible. Le Dieu de Réma, je voyais à la télé, mais moi-même j'ai assisté. Moi-même j'ai reçu cette témoignage aujourd'hui. Wow! Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Oui, vous, c'est quoi? Le ventre me faisait mal parce que tous les jours, je ne peux pas faire sport. Mais lorsque je suis arrivée, c'est vendredi passé, j'ai lu le faveur.
Bon, je me suis donné sur le ventre et sur le nombril parce que je ne fais même plus faire sport. Mais dans ce que j'ai mis depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Vous n'avez plus jamais eu mal au ventre. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour ce miracle? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Il avait quoi? Il avait quoi? Il a mal au pied. Depuis le début des vacances, il a mal au pied. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il a même eu son CAP, mais l'année-ci, comme il a mal au pied, je n'ai pas encore inscrit à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je l'ai amené ici pour que le prophète Ekan ne puisse lui lire. Est-ce qu'il a été guéri? Ça, c'est les gens qui ont été guéris. Il doit guérir au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime les femmes. Les femmes, leur foi, on dit les guéris, elles viennent. Elle dit à son fils, marche. Hein? Mais si tu as mal, supporte. On va arriver devant, c'est où ils vont savoir pourquoi on est là, vrai, vrai. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi la bouteille d'eau, sa bouteille d'eau. Ouvrez, ouvrez un peu, ouvrez. C'est votre foi qui va vous sauver. Moi-même, je ne suis rien. C'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus. C'est quel pied qui est malade? C'est quel pied? C'est le pied droit? D'accord. Tenez. Père, au nom de Jésus, il est libéré de ce que les sorciers ont fait sur son pied. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Il est guéri. Il est restauré. Il est délivré. Dans le nom redoutable de Jésus. Je commande. Des mots de mal de pied. Sors. Sors. Go. Go. Va-t'en. In Jesus' name. Au nom Amen. De Jésus. Merci Jésus. Levez-vous. Doucement. Venez, marchez. Venez. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Alléluia. Célèbre Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. C'est si bon. Votre fils est guéri. Votre foi vous a sauvé. Parce que vous avez cru. Le diable a quitté sa vie. Amen. Et il est libéré. Waouh, 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 waouh. Qu'il est vrai, notre Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que ça vous fait, maman? J'ai la joie au cœur. J'ai la joie au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre. Seigneur, vraiment mon Dieu, tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit. Papa, ce que tu as fait pour moi aujourd'hui encore est plus de mes buts. Je ne sais même pas conduire. C'est Jésus qui l'a fait. Moi, je ne suis qu'un instrument. À lui la gloire, à lui seul. Merci mon Dieu. L'élévation et la louange. Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me donne une joie au cœur. Pasteur, j'ai reçu le cap. C'est vrai, j'ai eu des problèmes au quartier. Je n'arrive pas à aller à l'école. Ils m'ont privé de l'école. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours dit, maman, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Mais le pied ne me permet pas. Maintenant que le Seigneur vous a libéré, qu'est-ce que vous lui dites? Je remercie Seigneur. Je l'implore qu'il me pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait du mal, Seigneur. Allez, vous êtes pardonné. Allez servir Jésus. Acclame pour sa délivrance. Acclame pour sa délivrance. Maman, vous êtes paralysée depuis quand? Je ne peux pas compter, ça fait longtemps. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai signé que j'arrive ici parce que vous voyez seulement la télé. Oui. C'est arrivé. Je me suis assise là-bas. Et j'ai commencé à prier. Le ventre a commencé à faire mal. Je me suis dit, si ça fait mal, ça fait mal. J'ai commencé à danser, à danser. Maintenant, les genoux sont lourds. Les dos sont lourds. Mais je sais que par la puissance de Jésus-Christ qui vous a donné l'onction, je suis guéri. J'aime cette foi. Amen. Je suis guéri. Amen. Regardez-moi. Père, merci parce que sa guérison est parfaite. Amen. Be free in Jesus' name. Sois libre au nom de Jésus.
Maintenant, regardez cette femme. Now look at this woman. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Et c'est en son nom que nous sommes rassemblés. Et c'est lui qui nous a délivrés. Elle va se lever. She will stand up. Et elle va marcher. And walk. Amen. Parce que le bâton a été arraché entre les mains de son ennemi. Père, merci parce que tu l'as libéré au nom de Jésus. Levez-la. Venez, maman. Alléluia. Jésus, voyez. Oh, yeah. Célébrez Jésus. Alléluia. Wow. La maman est en train de couper les reins ici devant. C'est terrible. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Écoutez, ce n'est pas la sorcellerie, mais la foi. Elle a cru que Dieu peut le faire et Dieu l'a fait. Ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie, Dieu l'a fait. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Vous aviez quoi? En fait, je souffrais des hémorroïdes depuis presque un an. Je ne savais pas d'abord que c'était ça avant. Donc, c'est depuis une semaine que je fais, quand je vais à la salle, en fait, je vois du sang dessus et tout ça. C'est ce matin, donc, je ne sais pas. Dans la nuit d'abord, hier soir d'abord, j'ai fait... Qu'est-ce qui s'est passé avec le ointe? Quand j'ai bu le ointe là tout à l'heure, quand j'étais assise, j'avais très mal. En fait, quand j'ai bu le ointe là, quand je me suis assise après, je n'avais plus mal. Vous n'avez plus mal? Oui. Waouh! Juste après avoir bu le ointe. Oui, oh, que le Seigneur te restaure. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, maman, vous aviez quoi? Papa, depuis une semaine, j'ai le violent mot de tête assez super tendu. Mais en venant ici, j'avais un mal, je sentais comme une paralysie et ça me faisait comme lorsque j'avais eu l'AVC en 2013. Mais dès que j'ai bu l'eau, ça a disparu, j'ai commencé à transpirer. Waouh! Elles sont pas acclamées pour ce miracle. Oui, papa. Vous aviez quoi? Le genou là. Vous étiez paralysé? Oui, papa. Depuis quand? C'est depuis longtemps. Combien d'années environ? Déjà au moins 15 ans. 15 ans? Oui, papa. Quand vous avez bu l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de boire l'eau. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une force en moi. Une force en vous? Oui. Maintenant, vous pouvez marcher sans béquille? Oui. Marcher, on voit. Eva, j'aime Jésus. Vous voyez, il danse comme un connaisseur. Toi, tu es là même, tu. Célébrez Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Wow. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? What do you tell Jesus? Je suis très content de lui. Wow. Je resterai toujours son serviteur. J'aime ça. Félicitations. Allez dire à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Nous vous aimons. Wow. Maman, vous aviez quoi? Depuis 2002, j'ai une parole que je marche avec dans ma tête. Ne retenez pas les béquilles des gens. Donnez-leur, ils vont regarder ça chez eux. Oui. Et cette parole, nuit et jour, c'est ça qui me réveille. L'oreille, si elle était bouchée, je n'entendais pas. L'oreille était bouchée? Oui.
Depuis combien de temps? Ça fait longtemps, puisque quand ça parle, ça me trouble la tête et je n'entends plus. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Maintenant, là, quand vous avez parlé de boire l'eau, j'ai entendu mon oreille s'ouvrir. Vous avez entendu l'oreille s'ouvrir? Oui. Waouh! Maintenant, vous entendez là-bas? J'entends. D'accord, bouchez l'oreille qui entend. Bouchez. Bouchez ça avec le doigt. Touch it. Vous vous répétez ce qu'elle va faire, acclamer. Repeat what she will do. C'est combien de fois? J'entends le son. Oui. Uh-huh. C'est combien de sons? Il claque. Oui. Encore. Il claque encore. Deux fois. Trois fois. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Jésus, voyez. Jésus, voyez. Maman, c'est un miracle. Vous voyez ça à la télé, vous aussi? Mes enfants appellent même que la télé de maman. Ah, ils appellent Zoé Channel la télé de maman? Oui, même la télé de maman. Et vous voyez comment d'autres personnes guérissent à la télé? Je vois les témoignages. Et aujourd'hui, c'est vous qui témoignez. Témoignez que j'entends. Vous entendez en direct. Il faut que la parole là parte aussi de mon oreille. Maintenant, ce n'est plus la télé, c'est en direct. Oui. Qu'est-ce que vous promettez à Jésus-Christ, le grand docteur qui vous a guéri? Que je servirai Dieu, le Seigneur Jésus me soit. Que l'heure de Dieu arrive à moi, que je sois sauvé. Parce que depuis 2002, je souffre, je marche de partout. Maintenant, j'ai trouvé ma liberté, je suis libéré. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Félicitations. Maman, vous souffriez de quoi? J'ai mal au pied. Oui. J'ai une fracture au pied droit. Et l'autre pied gauche aussi. C'est comme si ça marchait ensemble. Oui. Oui. Bon, c'est la deuxième fois que je viens ici. La deuxième fois? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, depuis que je suis arrivée, je suis couchée là. Mon corps. Vous étiez couché? Couché. Qui l'a vu coucher? Elle était couchée là-bas. Hein? Waouh! Je suis couchée depuis que je suis arrivée. Mais dès que vous avez dit. Et ça, vous suivez ça? Elle était couchée depuis qu'elle est arrivée. Oui. Dès que vous avez donc dit d'ouvrir l'eau et boire, j'ai bu. J'ai ressenti la force en moi. Vous avez ressenti la force? La force. Okay. Et vous vous êtes levé? La force. Et je me suis levée, j'ai commencé à marcher. Et une sœur m'a dit de venir ici. Waouh! Wow. Vous pouvez marcher, on peut voir. Can you walk for us to see? Ce n'est pas vrai. Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. Jésus est ici. Acclame Jésus. Alléluia. Célèbre l'agneau de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que ça vous fait? What do you feel? Je suis très fière. Je suis très fière d'abord de ma soeur qui m'a amenée ici. Sœur Elisabeth, elle est là dans la salle. C'est elle qui m'a amenée ici. C'est elle qui vous a invité. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous lui avez fait du bien. Hein? C'est une voisine à ma fille. Waouh! Je l'ai vue avec le pied là tordu. J'ai dit, ma soeur, si tu peux vraiment, moi-même, je viens d'abord te tirer le pied et je te donne, tu commences à prier avec l'huile de faveur. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux venir à l'église? Elle m'a dit, que, ma soeur, je veux venir. Elle est venue. Aujourd'hui, elle est guérie. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Célébrer Jésus. Je fais la publicité de mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Félicitations à vous tous. Nous célébrons Dieu pour votre miracle. Allez de miracle en miracle. Au nom souverain de Jésus. Amen. Mettons-nous debout. Prends ta bouteille d'huile de faveur. Pour la bénédiction finale. Dimanche prochain, le rendez-vous, c'est quelle heure? 10h.
Dimanche prochain, c'est la guerre. Next Sunday is war. On va résoudre tous les cas de sorcellerie, on va les délivrer. Et nous allons faire des prières prophétiques fortes pour la libération. Lève ta bouteille d'huile de faveur. Dis mon Père et mon Dieu. Par ta puissance dans cette huile. Je reçois l'onction pour moi et ma famille. Nous sommes protégés contre les affres de nos ennemis. Les portes fermées sont ouvertes. Cette semaine est une semaine de victoire. Tout ce que mes mains vont toucher va réussir. Aucun sorcier ne bloquera plus jamais ma vie. Parce que je suis affranchi. Et cette huile de faveur scelle ma délivrance devant Dieu et les hommes. Au nom souverain de Jésus, dis Amen trois fois comme le tonnerre. Mets un peu sur ta main droite et tu mets sur ton front. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Tu iras de prodige en prodige. Je recommande nos enfants à l'Éternel. Que cette nouvelle année scolaire soit une année de succès. Et toutes nos prières vont les couvrir. Un sorcier tente, il meurt. Un sorcier tente ton enfant, il meurt. Tu es protégé. Love you. Shalom. Je vous aime. Shalom. Alléluia. Je vais Jérémy Molé Jérémy et Jérémy il fait la himlo. Oh, la délivrance, j'ai vu les miracles, les sourds attendaient, et beaucoup de miracles. Mais... Tout de miracles, c'est bon vraiment. Non, non, j'étais très heureux, c'était un moment particulier, j'ai voté pour le Seigneur, ce que j'ai eu au Jésus. Ce qui m'a marqué plus, c'était la louange, l'adoration, le message surtout. Elle était vraiment. La suite, c'est que Dieu était avec nous pour ce jour. Dimanche prochain, je serai là par la grâce de Dieu. Ce qui m'a le plus marqué, il y a la parole de Dieu. Papa explique terre à terre la parole de Dieu. Il explicite. Et les miracles, fait de grandes choses. J'invite la population du Cameroun de venir. Ici, au palais de congrès, pour recevoir la bénédiction. Parce que moi, j'ai déjà reçu ma bénédiction. J'ai été délivré vendredi passé. Amen. Non, c'était formidable. On a été. Le Owen là. Très bien, vraiment, vraiment, très, très, très bien. Il me manque les mots. Pardon. Merci une fois de plus aujourd'hui. Je crois que je suis tellement choisi par la télé. Vraiment, la nuit du miel, elle a toujours été mielleuse. Parce que quand on dit la nuit de miel, toutes les familles d'aujourd'hui est fantastique. Ce que les gens ne croient pas, il faudrait qu'ils commencent par croire aujourd'hui. Pour qu'ils croient. Nous avions vu tous en direct les gens qui ne marchaient pas, qui marchent aujourd'hui. Ceux qui ne se levaient pas, c'est bien. J'en suis sûr que moi-même, j'en suis bénéfique. Je ressentais un mal qui est en train de partir. Je crois que dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, je porterai un témoignage. Donc, le culte d'aujourd'hui est fantastique. Je bénis le Seigneur qui redonne encore plus de force à notre prophète Camille, afin qu'il continue à guider son peuple, ses brebis, et que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit élevé plus haut pour la guérison. Pour la santé que nous réprouvons. Après voilà ma fille. Donc moi je suis fier. Et je demande au Seigneur de combler encore notre prophète et sa femme. Et tous les pasteurs de Réma Missilution. Ainsi que vous. Que Dieu vous bénisse.
problème d'aujourd'hui était tellement merveilleux que je ne sais pas comment expliquer ça. Non, j'ai reçu la bénédiction. La bénédiction va encore de plus en plus. Mais compris, non. Tellement bien. C'est tellement merveilleux. Du coup, aujourd'hui, c'est mon premier jour. C'est ma première fois. C'est la façon dont papa prêche qui m'a captivé. Déjà d'abord, j'étais à la maison, j'étais chez moi. Un jour, je t'appelle à la télé. Bon, je suis tombée sur le programme, sur ces programmes de fin août là. Je suis tombée là-dedans. Tant ces appels à la télé, il y a un de mes neveux qui me dit que Tante Francine, pourquoi tu laisses même le programme là? Ils se sont mis à se moquer de moi. Je leur ai dit que non. Moi, je vais d'abord suivre le prophète. Quelques temps après, je vais chez ma soeur. Ma grand-soeur me parle du même prophète. J'ai une amie, nous sommes perdus de vue. Elle me parle aussi du même prophète. Aujourd'hui, là, je vais seulement arriver chez le prophète. Là. Je vais aller découvrir ce qu'il y a là-bas. Et donc, comme ça que je suis arrivée aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Je suis épanouie. Je me sens très libre, libérée. Déjà, merci pour le privilège. Déjà, je suis content. Le programme s'est passé dans de très bonnes conditions. Vous savez, chaque être humain a été appelé, programmé à vivre dans un système. L'oiseau, par exemple, a été créé pour vivre dans l'air. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Et les animaux dans la forêt. Et nous, les enfants de Dieu, on a été créés pour vivre dans la présence de notre Père. Et je sais une chose, toutes choses peuvent te quitter, le mariage, mais la seule chose qui ne doit jamais nous quitter, c'est la présence de Dieu. Donc nous sommes venus dans la présence de Dieu. Le Père des esprits, des prophètes, le Seigneur de toute la terre nous a visités, nous et toutes nos familles. Nous bénissons le prophète de Cané, nous sommes ses fils et nous disons de l'avant. Donc nous sommes bénis. Ah, le grand fort, c'était la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Nous, on ne vient pas pour le miracle, on ne vient pas pour la prophétie, mais la connaissance. Parce que sans connaissance, la prophétie ne peut pas être conservée. Donc aujourd'hui, j'ai compris que le bâton qui avait été jeté devant Pharaon, Dieu déclenchait la guerre. Et Christ, qui était ce bâton, qui était le symbole de ce bâton, a avalé, a dépouillé. Donc, on a été restauré. Nous sommes bénis. Vous aussi, vous êtes bénis. Hayu melohim inolehiko Esura javire melo jevara malude vei umin ayumeleze amora ibele agora ejim laudevo comme la rivière qui cloue le matin. La vie est un souffle qui passe. L'orgueil est une prétention devant Dieu. Il faut s'humilier pour prier Jésus. On est grand, mais la grandeur va passer. On est beau, la beauté va finir un jour. Mais Jésus ne va jamais passer. Un jour, Seigneur, je verrai ta face. Voilà Jésus. Humilie ton âme devant lui. Dis-le Seigneur, j'ai besoin de toi. Amorai filei mode Zaburi Tevara Shurubi Jehi Maluvina Zarei Morai filei mode Javei
Jérémy, univers, filia mello, gourami l'otem, amjei molaoule, tivo, min rakbanaro, banuram, la guerre mahate, amasharouvi, o mello rei. Jérémy, au choraïm in la divaro, souveré, amje velo miro, divaré, amsraïm un rahilo meloxe, azuré, min raïm. Feroi morei Jevarami Hamasara i meloxa Overai Ajorami Amura hamuri Jofera mai Ajei monarabana Exorem, exorem, exorem.